Culture. Et c'est avec Linda Tamdravi, bonjour. Bonjour Hajar. Ta forme aujourd'hui? Oui, en super forme et on est en plein préparatif. Oui, hein, donc c'est vraiment les préparatifs d'un très bel événement, un magnifique souvenir et surtout donc on attend aussi avec impatience le rendez-vous. Tout le monde attend. Hein. Oui, donc déjà nous avons ce soir la coupole, donc un événement féerique, magistral où il y aura un nombre très très important d'artistes sur scène. Nous allons bien sûr transmettre et diffuser donc cet événement sur les ondes de la chaîne 3 et à travers tous les canaux donc de communication et les télévisions, donc la télévision algérienne et puis bien entendu le fameux défilé militaire tant attendu. Hein, comme je dis à chaque fois, nous allons remuer ciel, terre et mer. Ça va être vraiment quelque chose de fantastique, de fabuleux. Il faudrait qu'on en profite au maximum de voir, de s'en prendre plein les yeux et voir tout ce qui va se faire en matière de on va découvrir aussi hein, donc, les différentes disciplines et les différentes spécialités également de notre armée nationale. On va aussi découvrir également les différents secteurs du pays. Donc il y aura des défilés, ça va être quelque chose d'artistique, de fort, Nous avons déjà un avant-goût sur ce qu'il va y avoir. Hein. Nous avons un aperçu, par exemple, ce soir à la coupole d'Alger. Bien sûr. Ça commence déjà à se profiler. Voilà, exactement. On sent un peu cette ambiance. Ne serait-ce qu'ici dans la capitale. Et puis, nous passons aussi à des rendez-vous également artistiques. Par exemple, aujourd'hui, à 15h, plus de 400 artistes peintres seront au Palais de la Culture Moufdiz Zekaria, ici à Alger, à Kouba, où nous allons découvrir et redécouvrir des artistes les plus anciens aux plus jeunes, revenir aussi sur la culture, sur les arts. Tous les espaces vont être pris à travers tout le territoire national. Mm-hmm. Là, on cite la capitale parce que c'est aussi la capitale, hein, n'est-ce pas? Exactement. Mais toutes les wilayas seront aussi avec un programme, auront leur programme culturel, historique, lié à l'histoire. Les 70 ans, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est vraiment un superbe palmarès pour notre cher pays et on souhaite encore beaucoup, beaucoup de belles choses. En tous les cas, voilà, je voulais revenir sur ça. Ce soir déjà au niveau de la capitale et puis après le défilé militaire Vendredi. Du vendredi matin, donc c'est de beaux rendez-vous qui nous attendent. Et puis aussi les artistes, il va y avoir des concerts un peu partout hein, à travers tout le territoire national dans les rues. Rien que si bien sûr météo, donc s'il y a de la pluie ou un changement de température, une baisse de température, les choses vont se faire dans les salles. Sinon il va y avoir énormément de spectacles dans les rues. Je reviens un peu à la capitale, il y aura même des épopées, des melhamas à partir du 1er novembre en soirée, où il va y avoir près de la Grande Poste une sorte d'opérette, hein, on va dire ça comme ça, qui retracera aussi l'histoire de l'Algérie. C'est un groupe, en fait, un immense groupe de l'établissement Art et Culture de la Wilaya d'Alger qui organise hein, cette épopée en plein air. Et puis, donc, des chants, de la danse. Nous allons fêter ce bel événement. Profitez de ce mois de complètement. Novembre. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous, Linda Tamdrari. Il est 7h55 sur les ondes d'Alger, chaîne 3.